Bonjour à tous, c'est Shadow Bros et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Prince of Persia les deux royaumes. Et du coup, aujourd'hui, on va continuer notre petite exploration du coup. Ce qui arrive quand on essaie d'aider les gens, on se fait tuer. Il nous a enfermés. Nous allons mourir. Aidez-nous, s'il vous plaît. Père, j'ai tant besoin de votre force et de vos conseils. Où êtes-vous? Mon père n'est plus. Eh mais oui, c'est ça. Où sont les machines qui contrôlent ces tapis roulants? Vite! Le temps presse! Poursuivons! Mais l'escalier est brûlé! Vous n'y arriverez jamais! Ok. Bon allez, du coup, on avance hein, petit à petit. Et on a activé le premier système. Je sais pas trop ce que je fais, mais je le fais, hein. Attends, voilà. Oh, je vois, il va falloir faire avancer tout seul, hein. Ok, maintenant il va falloir faire avancer le tapis, je pense. D'accord. Je voulais me dépêcher en soi pour pas perdre de temps, mais on voit que je me fais arnaquer. Thank you.
C'est de l'autre côté qui doit être la statue. Donc c'est-à-dire comme ça quoi. Attends. Annie? Ah oui. Comme ça du coup. Ouais, non, il y a... Bon, pour moi, c'est comme ça. Moi, c'est comme ça parce que ça passe. Mais du coup, peut-être qu'on doit le faire reculer pour le faire avancer, je sais pas. Non, mais Ali! Bon, je comprends rien. Peut-être que le truc doit être de derrière, je pense. S'il peut tourner, c'est qu'il peut être de derrière comme ça. Comme ça, du coup. Bon, voyons voir. Ok, ça passe. Pour moi, ça passe, c'est ça. Qu'est-ce qui bloque, sérieusement?
Bon, ça... Du coup, j'ai compris que c'était pas dans le bon sens. Mais en vrai, qu'est-ce qui bloque là pour que ça passe le machin là, pour que ça recule hein? Parce que ça passe hein, en soi. Pour tout mon temps alors que les gens sont en train de cramer, c'est génial. Bon, elle est pas facile cette énigme, hein, en tout cas. Ok, de l'autre côté alors. Ah, mais allez vous faire. Heureusement que le bâtiment n'est pas réellement en feu, hein, parce que sinon là on serait déjà mort. Bon, et qu'est-ce qui empêche de passer alors là? C'est la lampe torche, ok. Ok. Est-ce que tu peux encore bouger? Non. Voilà. On va en mettre du temps pour faire cette énigme, mais on va le faire. Non. Non, 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 non. Je suis désolé, je voulais pas le pousser. Il était bon. Voilà, maintenant, tout droit. Tout droit, bataillon. Marchons!
Bah, en roulant, parce que c'est les tapis, du coup. Mais va te faire, il y a toujours la lampe qui gêne. Voilà. Voilà, c'est ça. Du coup, je suppose que le truc il doit être en avant. On va devoir le faire reculer, je pense. Parce que le truc il doit être de face, je pense, pour le taper dedans en fait. Qu'est-ce que tu fais, prince? Bon, c'est pas grave, on va faire tout le tour. On fera pas tout le tour. Je vais en perdre du temps sur cette salle alors que... Voilà quoi. Allez, encore une fois. Voilà, maintenant, on avance. Allez, on tourne ça en avant et c'est parti. Ah bah voilà, quand tu veux. Savez-vous seulement qui est votre sauveur, mes amis, je vous le dis. En vérité, c'est le prince de Perse. Le prince de Perse, il est revenu. Heureux de vous voir, ça. Ok. Voulez-vous que je reprenne à partir de ce point? Oui, vas-y. Vas-y. On a mis 20 minutes à faire cette salle, mais c'est pas grave. Non, mais 20 minutes! Où je galère dans une putain de salle! Tu commences un peu trop à te prendre pour un héros. Tu as déjà sauvé ces gens. Oups! Ça fait rien du tout, t'inquiète, ça fait que je suis mort.
Non mais non, mais n'importe quoi là. Bon bah écoutez, là je vais galérer, mais bon. Mais c'est pas possible! Voilà! Ah, quand tu veux, tu vois! Il m'a fait peur, lui! Tourne! Bah oui, mais bon, écoutez, je ne peux pas être non plus très très fort à la conduite, hein. Je suis pas un pro de la conduite, hein, moi. Putain, ça fait deux fois que je me prends ce truc pour rien en plus. La dernière fois, ça va, j'étais mort trois fois là-dessus. Mais comment tu veux que je passe là? Comme ça. D'accord, la cinématique qui a bugué. D'accord. Je reconnais que je ne m'attendais pas à ça.
Oh, c'est une blague. Ok, je suis mort, mais bon. Mais non. Bon bah laisse tomber. Je suis mort. Bon. J'ai compris au moins ce boss. D'accord. Je reconnais que je ne m'attendais pas à ça. Boy, oh, whoa, 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 whoa. Mais laisse-moi tranquille l'autre aussi, et puis j'ai déjà plus de sable. Mais laisse-moi tranquille. Bon, je vais galérer. Surtout si ces deux connards n'arrêtent pas de m'attaquer en même temps. Le problème c'est qu'ils m'attaquent en même temps, donc je peux pas attaquer celui-là à la hache pendant que sa hache est plantée, pendant que l'épée il m'attaque quoi. D'accord. Je reconnais que je ne m'attendais pas à ça. Mais laisse-moi tranquille et laisse-moi attaquer ton frère là, mais je peux même pas toucher son frère là. Concentre-toi sur le jumeau à l'épée. Ouais, bon, allez. Mais je m'étais protégé. Mais regardez-moi ça, je peux rien faire. L'autre, il me bourrine aussi. Pendant que son frère est à terre, il me bourrine comme je sais pas quoi, toi. Mais je m'étais protégé, casse-toi!
Bon allez, va te faire foutre l'autre, hein. Franchement, je peux rien faire. Je peux rien faire sans avoir quoi que ce soit, toi. Bon là, c'est clair que c'est un boss un peu difficile, mais bon, c'est parce qu'ils sont deux, et les mecs, ils font... Voilà quoi, ils sont trop l'un sur l'autre, quoi. En soi, ils sont même pas difficiles à battre, hein, donc... D'accord. Je reconnais que je ne m'attendais pas à ça. Il y a une technique, mais ils sont pas difficiles à battre, hein, franchement. Voilà, regardez l'autre, je peux rien faire. Voilà, je me fais avoir tout le temps de la même façon. Au début, c'est tout le temps la même chose. Et là, j'ai... Concentre-toi sur le jumeau à l'épée. Non mais allez, va te faire foutre. Et voilà, j'avais une portée en or de les battre tous les deux, mais non, il faut que je fasse des conneries plus grosses que moi, toi. Puis avec deux sables, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas non plus les battre avec deux sables du temps, toi. J'ai le droit à deux erreurs, toi, c'est bon. D'accord. Je reconnais que je ne m'attendais pas à ça. Je dirais que je reviens au bon moment. Merci. Bonne chance. D'autres vont sans doute arriver. L'enfoiré de...
ce jour. D'accord. Il y en a peut-être un peu beaucoup. GG. Vous ne pouvez tuer ces créatures, mais nous pouvons les ralentir. Allez, prince, trouvez le vizir et tuez-le. Que ce cauchemar s'achève une fois pour toutes. D'accord, je comprends. Et de nouveau séparés. Je vous rejoins au plus vite. D'abord, je dois ouvrir cette porte. Il n'y a même pas de point de sauvegarde après deux boss, toi. C'est bon, tout le monde est mort. Bah non, tout le monde n'est pas mort parce qu'il y a encore des gens. Allez, dégage.
Bon, j'aimerais quand même un petit point de sauvegarde si c'est possible, parce que voilà. Oh, c'est si gentiment demandé, regardez. Hop là. Donc, je... Oui, c'est ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui était un peu longue, en tout cas, parce que j'ai galéré pendant je ne sais combien de temps pour, sur une salle, hein, donc je crois que j'ai galéré pendant 20 minutes, après il y avait deux boss, voilà quoi, plus un combat, voilà quoi, donc c'est pas grave. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt pour la prochaine, hein. On se retrouvera dans le palais du vizir, je pense. Salut et bye bye!